S'il n'y avait pas de théologie, on n'aurait pas la Bible, on n'aurait pas connu l'histoire de Jésus, en tout cas pas la perfection comme on le connaît aujourd'hui. Lorsque la Bible parle, la Bible s'inscrit dans un contexte historique, social et politique. Et donc, la théologie en matière historique va vous emmener à étudier ces contextes-là pour pouvoir les comprendre. Et quand vous allez revenir, vous allez mieux comprendre, mieux cerner certaines questions, vous allez mieux cerner certaines thématiques parce que vous êtes rentré dans l'historique même, l'étude des hommes, l'étude de la société, l'étude du système politique. Ça va vous amener à mieux comprendre les choses. Quelqu'un qui a fait de la théologie a toujours une longueur d'avance que quelqu'un qui n'en a pas fait. Ne nous mentons pas. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te révéler des choses juste parce que tu es assis quelque part, tu n'as rien fait et là, le Saint-Esprit vient et te révèle le système politique d'une époque. Le Saint-Esprit, non, il faut arrêter avec ça. Arrêtons avec cette manière de penser. C'est une manière qui est fausse. Tous les prédicateurs qui n'ont pas étudié les sociétés de l'époque de la Bible ne connaissent rien sur ces questions. Dans ma précédente vidéo, j'évoquais l'importance de la formation pour les hommes de Dieu. Je pense, et je le confirme encore à travers cette vidéo, qu'un homme de Dieu devrait se former parce que c'est un leader, parce qu'il est censé former une partie de la population ou alors si ce n'est une partie des citoyens d'un pays. Cette vidéo va donc servir à donner quelques références que je pense être capable d'apporter des arguments d'autorité pour pouvoir confirmer ce propos que je tiens et que je maintiens. Il sera également question pour moi de revenir sur la notion de théologie. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous pour les interventions que vous avez eues dans les précédentes vidéos, commentaires, likes, partages. Merci à tous et à toutes. Il y a également des personnes qui m'ont contacté en inbox pour m'envoyer quelques citations qui vont également servir dans cette vidéo. Donc, pour moi, il est clair, on doit se former et je vais pouvoir vous apporter quelques arguments d'autorité si ça peut vous aider ou si ça peut donner une certaine crédibilité à ce que je suis en train de dire. Sans plus tarder, on y va. Avant de pouvoir vous apporter donc les arguments qui consistent à consolider mon propos sur l'importance de la formation, j'aimerais revenir sur un commentaire qui me paraît très intéressant, le commentaire du frère Kevin. Alors, frère Kevin a posé une question que je vais mettre ici. La question, en fait, pour la résumer, elle parle de la notion de théologie. Pour essayer de résumer sa question, ce qu'il faut déjà dire, c'est que pour moi, toute personne qui est appelée à manipuler la parole de Dieu, toute personne qui est appelée à sonder les Écritures, toute personne qui est appelée à examiner la parole est un théologien. Je m'explique. Déjà, le mot théologie, par essence, étymologiquement, vient de deux mots grecs. Nous avons théos, qui signifie la notion de Dieu ou les notions de la divinité, ou alors Dieu. Donc, nous avons théo, et ensuite nous avons logos, qui signifie science. Donc, en fait, lorsqu'on dit théologie, de théologos, ça signifie simplement la science qui se questionne autour des thématiques ou de la question de Dieu. Donc en réalité, la théologie gravite autour de Dieu, de la notion de la divinité. Ce qui signifie donc que toute personne, que ce soit un prédicateur, que ce soit un étudiant de la Bible, que ce soit les chercheurs, qui sont des personnes qui font des travaux, qui dispensent des savoirs autour de la question de la divinité, ils se servent d'une certaine théologie. Dans les églises protestantes, dans les églises catholiques, dans les églises évangéliques et dans les églises presbytériennes, et pour ne pas citer les autres églises, chacune de ces appartenances religieuses évolue en suivant une certaine théologie. Donc en fait, théologie ne devrait pas nous faire peur. Le mot théologie ne signifie pas toujours aller étudier dans une école. Non, théologie, c'est une conception. La théologie, c'est une manière de voir. La théologie, c'est une approche. La théologie, c'est une méthode. Donc l'ensemble des approches, l'ensemble des méthodes et l'ensemble des procédés qui permettent de prêcher, qui permettent d'examiner les Écritures, qui permettent de sonder les Écritures, ça s'appelle de la théologie ou bien une théologie ou alors ce sont des théologies. Donc moi j'aimerais qu'on puisse déjà de façon générale démystifier le terme théologie parce qu'en fait les réactions négatives des gens par rapport à la notion de formation sont dues au fait que la théologie de notre point de vue religieux est diabolique. Les gens pensent et les gens croient toujours jusqu'alors que la théologie elle vient du diable alors que la manière dont eux ils prêchent, la manière dont eux ils dispensent la parole émane d'une certaine théologie. Frère Branham que vous écoutez, les bandes que vous écoutez, les prédications que vous écoutez constituent une forme de théologie. Plus qu'à l'intérieur vous avez des concepts, à l'intérieur vous avez une manière de comprendre les choses, à l'intérieur vous avez une procédure et une méthode à partir de laquelle on apporte la parole, alors c'est une théologie. Ce n'est pas la théologie, mais c'est une théologie.
Donc, il est important qu'on revienne sur ces éléments-là parce que c'est ce qui, quelquefois, apporte de la confusion ou empêche qu'on soit sur le même pied d'égalité. Donc, à partir du moment où on a défini la théologie comme étant l'ensemble des savoirs, l'ensemble des sciences, l'ensemble des procédés et l'ensemble des mesures qui gravitent autour de la question de la divinité, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la manière de dispenser la parole, que ce soit dans la manière de la vivre aussi, c'est une forme de théologie. Donc, à partir du moment où on est d'accord avec ça, il est maintenant important qu'on revienne sur ce que dit Frère Branham par rapport à la formation des prédicateurs. Pourquoi est-il nécessaire de former des prédicateurs? La réalité, c'est que on a souvent dit que quand Dieu appelle un homme, il l'équipe. Ça, c'est une citation de Frère Branham. Et souvent, nous évoluons dans cette mesure-là en pensant que, oui, l'équipement de Dieu, c'est le hasard. C'est-à-dire que quelqu'un se lève et puis commence à prêcher. Pas du tout. L'équipement de Dieu, c'est aussi le fait que les anciens de l'Église, les personnes qui sont considérées comme étant des piliers, doivent mettre sur place des mesures qui vont permettre aux nouveaux aspirants de pouvoir se lancer avec facilité. Je trouve que c'est quand même vicieux de penser que si dans les années 60, Frère Branham, les autres anciens, les anciens qu'on a ici dans nos églises, dans nos pays, se sont lancés de façon autodidacte, aujourd'hui encore, devrait-on se lancer de façon autodidacte? Ça veut dire qu'on va pérenniser la médiocrité. Ça veut dire qu'on va pérenniser le manque de perfectionnement dans le travail que nous faisons. La vérité, c'est que nos églises devraient en arriver aujourd'hui au point où on arrive à créer des écoles, on arrive à créer des hôpitaux, où on arrive à créer des centres de formation pour les jeunes. En réalité, l'église n'avait même pas besoin d'attendre que l'État puisse trouver du travail. Puisque l'église évolue, l'église se développe, elle devait avoir ses propres structures sociales, ses propres structures socio-éducatives et socio-économiques qui devaient permettre à la fois de former, d'éduquer et même d'employer ses membres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On constate que l'église est devenue simplement une industrie dans laquelle les hommes de Dieu s'enrichissent et on continue de pérenniser la médiocrité du côté du peuple. Et c'est pourquoi cette pratique étant très dangereuse, il est important aujourd'hui que tous les jeunes de l'église se battent pour que les hommes de Dieu soient formés. Parce que plus on aura des hommes de Dieu formés à la tête de l'église, plus on aura une église qui évolue. Peut-être que selon vous, l'église, vous la voyez comme étant évoluant, comme étant progressant. De mon point de vue, l'église ne progresse pas. Au contraire, elle est en train de piquer vers le bas. À l'époque coloniale, on avait des écoles missionnaires. On avait des hôpitaux missionnaires. Par exemple, Bongolo, pour ceux qui connaissent Bongolo, c'est un hôpital qui a été conçu par la mission protestante dans la province de Langogné, c'est dans le sud du Gabon. Pour ceux qui connaissent le Gabon, ils savent qu'il y a eu beaucoup d'hôpitaux comme ça. Après que les missionnaires soient partis, ces hôpitaux sont tombés. Donc ça veut dire que même si on prend du point de vue de l'Alliance chrétienne, c'est une église qui a chuté par rapport à ce qu'elle était à l'époque. Bien sûr, l'Alliance chrétienne continue d'avoir ses entreprises, ces institutions, que ce soit financières, que ce soit sur le plan des écoles, que ce soit sur le plan même des petits dispensaires qu'ils ont, ils continuent de les avoir. Mais sauf qu'au niveau du service qui est à l'intérieur, il y a eu une perte à partir du moment où les missionnaires s'en sont allés. Et donc, il est très important que nous puissions avoir nos écoles, nos hôpitaux et nos centres de formation. Nous allons donc écouter maintenant ce que Frère Branham dit par rapport à la formation des prédicateurs. Quels étaient ses rêves, ses aspirations? Alors ici, dans cette citation, Frère Branham dit « Seigneur, si c'est ta volonté, nous comptons avoir un beau tabernacle ici, au coin de la rue, où nous pourrons avoir une école afin de former de jeunes ministres et les envoyer aux quatre coins de la terre combattre pour la foi qui a été transmise au sein une bonne fois pour toutes. » Et quand vous lisez cette citation, c'est là où vous vous rendez compte que, en réalité, si Frère Branham avait vécu au-delà des années 65, il aurait fait des choses que beaucoup n'auraient plus compris. Beaucoup se seraient dit, mais ça c'est plus Frère Branham, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait bien évidemment une vision moderne, une vision d'évoluer. Le refus de l'éducation par les églises du message particulièrement et par les églises en général pose le problème de l'acceptation d'une méthode archaïque et le besoin de pérenniser cette méthode parce qu'évidemment aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont dans le besoin de se maintenir comme étant des prédicateurs à vie. Et donc, si le peuple est éduqué, cela serait un manque à gagner parce que les gens vont commencer à ouvrir les yeux, les gens vont commencer à se rendre compte de la supercherie. Et donc, il faut entretenir cette mentalité-là. Il y a aussi du côté de la nouvelle génération, des gens qui pensent que, malgré cela, on doit continuer à vivre dans ce système où les gens ne sont pas formés, où les gens ne sont pas éduqués, parce qu'en fait, la formation va effacer le Saint-Esprit. Voilà la réflexion que les gens ont.
Les gens pensent qu'une fois on est formé, le Saint-Esprit ne peut plus nous utiliser. Une fois on est formé, l'Esprit de Dieu ne peut plus se servir de nous. Mais laissez-moi vous dire que pour que la révolution de Luther ait lieu, il avait fallu que Luther connaisse exactement de quoi il parlait. Pour ceux qui ont étudié la révolution luthérienne, vous devez comprendre que le problème, il partait du fait que la saine doctrine n'étant plus respectée, même ce que disaient les manuels théologiques, n'était plus respecté par les monarques et surtout par les membres du clergé catholique, donc le haut clergé, parce qu'on parle des évêques. Donc quand Luther, qui était un théologien, Luther était un théologien, Martin Luther, lorsqu'il s'est rendu compte qu'au niveau de la relation entre l'Église et l'État, la plupart des Écritures étaient brisées et l'ordre établi par la parole de Dieu était mis sens dessus dessous, c'est là que Luther commença à examiner les Écritures et relever dans les Écritures tout ce qu'il voyait qui était en désaccord avec les actes que l'Église posait. Et c'est à partir de ce moment, l'histoire nous enseigne que Martin Luther a rédigé 95 thèses. Ces 95 thèses, ce sont des thèses autour desquelles Luther proteste contre l'ensemble des choses qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et pour que cela soit possible, il fallait que la personne soit calée dans la parole de Dieu. Il fallait que la personne soit calée dans la compréhension de la théologie profonde de ce qui était enseigné à cette époque-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez remarquer? Dans les églises, les pasteurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous ne verrez jamais une seule personne se lever pour dire que non, ça c'est contre. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne lisent pas. Ce ne sont pas des personnes instruites. Ce ne sont pas des personnes éduquées. Ce ne sont pas des personnes formées. Ce sont plutôt des personnes qui sont faites pour obéir à un homme. Donc, lorsqu'on est formé, il y a une différence. On arrive à faire la différence entre la parole de mon pasteur et la parole de Dieu. La formation va vous amener à un niveau de rigueur et de respect de la parole au-dessus de la parole d'un homme. Donc, vous allez plus avoir de l'égard pour ce que dit la parole de Dieu que ce que dira votre pasteur. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important qu'on ait des personnes formées. Parce qu'une personne formée, c'est quelqu'un qui est capable de regarder les choses en face et de contester. Parce qu'il tient vraiment à ce qu'il a reçu comme formation. Je ne dis pas par là qu'il n'y a que les formés qui vont pouvoir apporter du changement ou de la révolution. Non, pas du tout. C'est une partie de mon argumentaire. Mon argumentaire, dans sa globalité, c'est de dire la formation, elle est importante parce qu'on ne peut pas aller former des gens, on ne peut pas aller former une société, on ne peut pas aller former les meilleurs citoyens d'une société si soi-même, on n'est pas éduqué, si soi-même, on n'est pas formé. C'est pourquoi il est important pour un leader religieux de se caler, de se former, de s'éduquer et d'avoir des bases nécessaires qui vont lui permettre de se lancer dans la dispensation et dans l'exécution du ministère. On peut donc définir la théologie comme étant l'ensemble des savoirs et des connaissances qui gravitent autour de la question de la divinité. C'est donc la théologie qui a mené à l'organisation du livre qu'on appelle la Bible aujourd'hui. C'est la théologie qui a également amené à sauvegarder toutes les notions, les histoires et les langues pour amener la signification de certains mots anciens. Par exemple, on a été obligé d'étudier le grec, l'araméen, l'hébreu ancien, le latin, pour pouvoir traduire les manuscrits anciens dans les langues contemporaines. S'il n'y avait pas de théologie, on n'aurait pas la Bible, on n'aurait pas connu l'histoire de Jésus, en tout cas pas la perfection comme on le connaît aujourd'hui, on n'aurait certainement pas un certain nombre de détails. Lorsque quelqu'un fait de la théologie, il ne va pas étudier le diable, il va pour étudier, comprendre la société, les sociétés de l'époque de la Bible. Lorsque la Bible parle, la Bible s'inscrit dans un contexte historique, social et politique. Et donc, la théologie en matière historique va vous emmener à étudier ces contextes-là pour pouvoir les comprendre. Et quand vous allez revenir, vous allez mieux comprendre, mieux cerner certaines questions. Vous allez mieux cerner certaines thématiques parce que vous êtes rentré dans l'historique même. L'étude des hommes, l'étude de la société, l'étude du système politique. Ça va vous amener à mieux comprendre les choses. Quelqu'un qui a fait de la théologie a toujours une longueur d'avance que quelqu'un qui n'en a pas fait. Ne nous mentons pas. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te révéler les choses juste parce que tu es assis quelque part, tu n'as rien fait. Et là, le Saint-Esprit vient, il te révèle le système politique d'une époque. Le Saint-Esprit, non, il faut arrêter avec ça. Arrêtons avec cette manière de penser. C'est une manière qui est fausse. Tous les prédicateurs qui n'ont pas étudié les sociétés de l'époque de la Bible ne connaissent rien sur ces questions. Ils ne connaissent rien sur la société. Ils ne connaissent rien. Ils connaissent la seule chose qu'ils connaissent, c'est venir dire ce que Dieu leur a révélé par rapport à l'Écriture, ce que ça signifie. Et quelquefois, il arrive que ce soit faux. Mais il sera difficile pour ces prédicateurs d'accepter que ce qu'il est en train de dire est faux et rejeté. Par contre, quand quelqu'un a pris le temps de se former, ça ne veut pas dire forcément qu'il a le Saint-Esprit, pas du tout. Mais
il aura un certain nombre de choses qu'il va pouvoir aborder de façon aisée. Quand il parlera de l'histoire de Jésus, il en parlera avec aisance parce qu'il a étudié le contexte, il connaît de quoi il est question. Il ne s'agit pas seulement de parler de la chose d'une manière spirituelle, il s'agit aussi de l'expliquer de façon terre à terre pour que même les plus petits comprennent. Vous n'allez pas expliquer le Jourdain, Jérusalem à un enfant comme si vous étiez en train d'expliquer ça à un adulte. Non, vous devez pouvoir expliquer la chose terre à terre de façon à ce que l'enfant comprenne. Tiens, d'ailleurs, il est important de mentionner que quand vous enseignez aux enfants, les enfants à l'école du dimanche, c'est quoi? C'est une forme de théologie que vous faites aux enfants pour les introduire dans les choses qui vont leur servir plus tard. Donc, il est important de se former. Il est important que nous puissions constituer des hordes de personnes formées pour pouvoir constituer un monde chrétien de plus en plus excellent et qui tend vers la perfection.